La neige de culture était, il y a encore peu, essentiellement utilisée pour assurer le retour des skieurs en station. Les déficits successifs d'enneigement constatés ces dernières années ont conduit les exploitants des sports d'hiver à multiplier les installations d'enneigement. À la Normande, Savoie, l'or blanc artificiel arrive aujourd'hui jusqu'à 2400 mètres d'altitude. Un équipement semble-t-il indispensable pour assurer la pérennité de la station. Comme l'économie locale dépend que de ça, il y a 20 ans, si on avait de la neige au mois de février, ben on était content, on avait eu un hiver avec beaucoup de neige. Mais maintenant, on veut de la neige du 20 décembre au 20 avril, et c'est pour pallier ces retards de neige qu'on installe de la neige de culture. Une installation possible grâce à la présence d'une réserve d'eau importante et proche, en l'occurrence le barrage hydroélectrique du Mont-Cenis. Nous, ce qu'on consomme sur les 300 millions de mètres cubes d'eau stockée là-haut, c'est environ 120 000 mètres cubes, c'est-à-dire, je pense, à peine l'évaporation que le lac a l'été. C'est une goutte d'eau dans la mer, on peut dire. Quant à ceux qui dénoncent les dangers de la neige artificielle, Albert a sa réponse toute prête. C'est pas de la neige artificielle, c'est de la neige de culture. Elle n'a rien du tout d'artificiel, c'est de l'air et de l'eau qu'on pulvérise. On décale un petit peu cette eau qui est arrivée en pluie, et ben elle est transformée en neige et on la restituera dans 2 mois, ben on la restituera à la nature. Et je crois qu'il n'y a pas d'effet négatif sur le terrain et sur la végétation. Au-delà des considérations écologiques et économiques, c'est un mode de vie qui est en cause où la nature doit s'adapter à l'homme et non le contraire.